Flagstaff et voici le Lake Mead. Un parc où les gens peuvent se faire du bateau, le jet ski, etc. Et on passe par le Hoover Dam. Et on passe par le Hoover Dam, je ne sais pas ce que c'est. Un grand barrage. Ah voilà. Ah, on passe par un immense barrage alors. Avec changement d'heure. Et on va devoir changer l'heure. Nous venons de passer une espèce de frontière, douane, je ne sais pas quoi. Juste avant d'arriver au barrage, le Hoover Dam, et là on voit l'eau dans le fin fond, là-bas. Et en fait c'est pour ça quoi, et on est rentré alors a priori dans l'état du... Ça va marquer. Arizona. C'est ça? Ça va marquer, tu vas voir, je crois. Nous sommes possiblement en Arizona. Nevada time, 11h30, et nous passons... En Arizona. Et donc il est midi... Hein? De 10h? C'est une demi-heure? Ouais. Ah oui, ça peut arriver, oui. Ah! On a. 10h-2. Oui, ça peut arriver donc, par ça demi-heure. Ça fait une heure, oui. Et nous voici en Arizona. Le Grand Canyon States welcome you. Hola! Bon dia! Et voilà, je suis en Arizona. Et il n'est plus 11h30, mais il est bien 10h du matin. Donc nous allons avoir une journée de 25h30. Youpi! On va pouvoir dormir beaucoup plus longtemps. L'eau du barrage, quoi. Ça fait l'eau. Oui, l'eau du barrage, quoi. Tout ça. Ah, et la construction, ah, de l'eau verte. Ah. Et le pont derrière. Ouh. Bien joué. Et un pont que personne n'utilise. Waouh. Et le reste de la flotte. Et voilà. Et maintenant, on va retourner dans la voiture. Comme je les aime. Tranquille. Voilà, on s'est assis à la table, à une table extérieure du café qui s'appelle QV928. Et on s'est mis à côté là où il y a la musique, etc. QV928. Et l'établissement? Ouais. Ah, ça, c'est comme le...